ancien poète, ça dépend des lieux. Je dis souvent, j'écris un texte. Oui, car il faut bien commencer par ça pour faire un son. Processus de création, un peu loin de la récréation. Mais ça m'occupe avec la vibe des instrus, car oui, j'enregistre des versions. Je peux enregistrer le même texte sur différentes instrus. Mais comme tout est à un instant B et à un endroit Z, etc. ou T, etc. C'est jamais la même chose. Loin de là donc, oui, un petit texte, car l'impro c'est plus trop pour moi. Et puis, ça c'est quand même de l'impro. Je vais pas te dire si c'est une version d'impro ou pas. Page recto verso et ça fait un petit vers et un petit verset, une version, une averse de multitude de sens, de sons, de savoir, d'idées, de lettres. Je sais c'est loin d'être parfait mais déjà un minimum. Fais ça pas pour autant la fête, mais loin d'être fait aussi, il reste beaucoup de taf derrière. Former ses lettres en est le début, trouver la bonne instru, les bonnes mélodies en est le second, une partie du second. Après le réciter dessus en l'enregistrant, puis le transformant en MP3, puis augmenter le volume de la chanson, puis le mettre en format vidéo. Tout ça pour s'occuper, se changer la pensée, au lieu d'être trop passif. Et puis comme je supporte pas juste de boire à l'intérieur dans les cafés, etc., je préfère écrire et puis beaucoup de discussions de cons qui ouvrent trop leur gueule. Mais moi aussi avec mes dents péraves, pourraves, je le peux pas, donc c'est comme ça peut-être. C'est con mais c'est comme ça. J'écris ce truc, je le mêle à une belle mélodie, et puis c'est fait, ou presque une bonne clope, un petit féca. Je quitte cette place et ce texte. Non, encore quelques secondes et trucs, merci encore, remplir le recto. Verso, ça fera 4. Un petit texte d'environ 2 minutes, enfin bon, il fera beaucoup plus. Il faut avancer dans le dit processus de création. Non, c'est juste, et tout ce que je sais faire, ou presque, mais ça nique la main. Putain, et la voix aussi, mais ça tripe et fait reposer en paix. Après beaucoup de textes, de versions, de medley hier, gros dodo facile. Ça fait du bien, et puis content d'une certaine manière de sortir pour ressentir et vivre ce que je ressens. Après ce sommeil et voix, etc., etc. Fin de ma voix dans cette voix, fin de ma voix. Ce putain de texte dans le frais, la main est niquée. J'aurais besoin d'enregistrer, etc. Je sais pas ce que ça a donné le précédent, du bon, du mauvais, des théories, des explications, de la soupe, des bases, sur au moins un minimum de basses. Et quelques minutes, c'est peut-être pas ce qui impressionne les minettes, mais justement plus subtil que ce que je croyais. Une page, 39 piges, 40 avec les 8 mois et demi dans le ventre de la mer, 56 pour certains, on a l'âge de son corps et de ce qu'il a vécu. Quand tu vois mes dents niquées, etc. Pour être gentil avec moi-même et pas être franc envers ces donzelles.
mes buzz blancs, un peu même beaucoup trop de bides. C'est pas si difficile à comprendre, bon bref, l'âge, les ânes, les cygnes, les singes, les alligators, les serpents, les tortues, les perroquets, les troquets, les perroquets, les pieuvres, les tortues, les baleines, les balades, peut-être un petit plan de canse-canse, mais il faudra encore attendre un peu là. Le foot, les arts martiaux, la cour martiale, les milliardaires, dans ce putain de millénaire, enfin second ici, cinquième ailleurs, etc. Pour certains, c'est la thèse qui forme les footballeurs et les chanteurs. Pour d'autres, c'est les grandes écoles. Il y a aussi l'histoire et le climat, etc. Les matières, je suis plus fort en forme, l'être, qu'en maths, plus fort en subtilité, qu'en agressivité de ces merdeux déphasés à coups de shit, qui avec leur troisième jet dans le casque, dansent le taser pour en faire un quatrième, et finalement dansent avec des poupées à l'appel dans la piscine, et le nez dans la schnouf. Ça apaise, oui, déjà goûté une fois, les champignons aussi, mais je suis loin d'être un expert et un camé, loin de là, juste quelques trucs pour faire dormir quand le corps il est à bout, après plein de trucs mauvais qui se sont passés dans cet appart, mais j'étais tranquille encore dans un magalo près de la plage, etc. Et il a fallu qu'il y ait les attentats pour que je revienne, pour en partie aider comme je pouvais, et je m'en suis pris plein la gueule. Bon, j'ai du mal à lire, je vais tout perdu en idées néfastes et corporelles là-bas, oui. Guérissez, m'apaisez, me reposez, faisait la chouille, délirer, etc. Pas le temps de me refaire, alors c'est en faisant as que je me refais un peu, pas de refrain, refrain, et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Tu commences gentiment en serrant dans tes bras une fée ou une déesse, etc. Puis tu commences gentiment par le bas, puis plus tard, une se débat à environ un mètre du bord de l'eau, je saute et la sors de là. J'ai tellement pensé à sauter, enfin, c'est pas vraiment ça, juste prendre du plaisir avec les meufs, etc. Le système, la société, ils disent que je suis pas un pêcheur ni un navigateur, mais j'aurais pu me perdre dans la savane. Des bonnes expériences, des mauvaises, dur de trouver une femelle avec cette dent pérave. Jusqu'à ma mère fait du zèle, à 12 ans m'envoie chez le dentiste pour rien. À 27, pareil, elle attend pas l'effet de l'anesthésie, et puis je douille, et finalement, par enfin revenons à l'âge. Elles sont plus proches du dentier qu'autre chose, mais elles ont tellement souffert. Vous passerez tous par là, vous inquiétez pas, le langage des mouvements, enfin on a trouvé d'autres trucs. Quand on s'est présenté par son humble et simple présence devant les singes argentés, ou que noir ou blond, nos poils deviendront dormant sur une tranche nue de la savane, je me lève d'un coup, un renard, on était prêt à se fighter. Un serpent qui ondule la nuit dans la savane, traverse et passe par des endroits qu'aucun autre homme n'a foulé, ou avec au plein milieu des ronces couchées sur un rocher, j'aurais pu me faire piquer par un serpent. Ça tourne en rond comme la planète, le soleil, la lune et le ventre des femmes gonflent, pas qu'à la lune comme le ronronnement des loups-garous. Est-ce un mythe ou pas, je me rappelle même plus trop de ce mythe. Il y a aussi le Minotaure qui était enfermé dans un labyrinthe et on lâche un héros de la mythologie grecque pour le punir, ou romaine dedans, et puis un autre encore, ou un labyrinthe où il garde un fil derrière lui pour retrouver le chemin, et puis un autre avec les sirènes, il s'accroche à un poteau sur le bateau pour résister à elle, et puis un autre dans une cellule en hauteur, il fabrique des ailes avec des plumes d'oiseaux,
il s'approche trop du soleil et avec la cire de sa bougie, ça fond et il tombe, etc. Encore quelques pages, bientôt, j'enregistre, ça va être bon. Je vais me réchauffer dans ce climat frais en ce moment normal. On est en hiver, mais bon, il y a des lieux où l'on ne connaît même pas le froid, d'autres le chaud. Nous, notre climat, dit tempéré, on connaît le froid et le chaud, même si je préfère l'automne et le printemps, c'est les saisons les plus douces. Et puis pas de catastrophes telles les séismes, les cyclones, les éruptions volcaniques, les tornades sous l'eau, les éruptions volcaniques sous l'eau, je sais pas sur... Sous l'eau, je sais pas, et sur terre, c'est sûr que non, dans ce petit pays. Non, la notion mondiale, je l'oublie. Ici, tout est réuni, sauf la nature, dans un petit périmètre. Beaucoup de cultures, etc., diverses, de bruit aussi, manque la nature. Beaucoup dans ce petit bled. Fin de la balade, avant j'écoute, c'est sur mon petit baladeur. Sur cette Kyoto Reverse, maintenant j'écris direct au verso sur des pages. Cette Kyoto Reverse à 12 ans. Quand j'étais à la Thèse, résidence Coel à la Thèse, c'était les bons moments. Après, j'ai parcouru un peu le monde. Et puis, la chance de connaître certaines choses, et d'autres un peu moins. Mais bon.